bien, salut à tous et à toutes les collègues. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo highlights des abonnés. Et on commence tout de suite avec T-Well. Alors T-Well, ok, donc directement un gros niveau. Alors je dis juste les gars, au début de la vidéo, je vais juger du coup votre niveau en montage, mais votre niveau de jeu est là. Gros niveau de jeu, un bon niveau de montage. Alors moi je suis pas extrêmement fan des gros effets de couleur. Il y en a pas trop, ça va, il y en a pas trop. Donc là on voit un gros niveau. Donc un joueur clavier souris. Vraiment très bon niveau. Ok, ouais. Alors franchement le montage est vraiment bon. Le niveau est bon. Ok. Là il nous fait une superbe triplette. Ouais. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur toi, mec. Parce que franchement, t'es plutôt bon, voire même très bon. J'avais pas demandé des clips spéciaux, donc il y a pas mal de clips en créatif. Mais en tout cas, tu es très bon. Voilà, le niveau de montage est lui aussi très bon. Donc, GG à lui, les gars. T-Well, bravo à toi, c'est vraiment très bon. Voilà, je sais pas exactement combien durent les highlights à chaque fois. Ouais, là, les effets comme ça, j'aime pas trop, moi, mais bon, après... C'est chacun aime ou pas. Alors les gars, juste je le dis, mais j'ai pas le son, donc je sais pas quelle musique il a mise. Simplement parce que sinon ça faisait trop de bruit. Il y a certaines musiques qui sont peut-être pas bien pour la vidéo. Donc là c'est le tour de Nexi qui dit que c'est son premier highlight. Il dit objectif 5 likes, il est monté à 16 je crois. Ok, alors... Alors on est sur un niveau en dessous clairement, on est en dessous, ça se voit. Ah c'est dommage le truc mauve, avis, vidéo, machin là. Ouais c'est dommage. C'est les trucs un peu... des titres de vidéos un peu pétés. Bref. Ouais c'est... ouais ok. Alors le niveau... Donc ça c'est des faux highlights du coup, c'est... Enfin c'est du... Je sais plus comment on appelle ça. Ah donc c'est un joueur clavier souris et manette, Nexi, ok. Il joue sur PC, du coup ça se voit en haut avec les FPS. C'est dommage que ça soit des fake clips, parce que c'est pas des clips incroyables, et puis ça aurait été bien peut-être des clips plus naturels, entre guillemets, c'est dommage. T'es moins fort clairement que celui d'avant, et de loin, mais je suis sûr que tu peux réussir à faire des vrais clips, parce que là c'est des faux clips, c'est dommage. C'est pas vraiment un highlight, du coup c'est plus... comment dire, ouais c'est plus... ouais, juste à jouer avec ton pote et puis ta rec quoi, c'est un petit peu ça. Ouais bon, t'as pas un niveau incroyable, après on a tous un certain niveau. Ok donc là c'est un... ouais c'est dommage tu vois. Alors oui bon, tu l'as pioché, mais en fait le problème là c'est qu'il n'y a pas tellement de fluidité dans le highlight. Pardon pour le bruit les gars. Il n'y a pas vraiment de fluidité, c'est dommage, parce que... Alors ça c'est pas toi je pense, si. Moyen, je suis pas sûr que ça soit toi, parce que il joue extrêmement bien, extrêmement vite, à mon avis c'est pas toi. Non c'est pas lui, c'est pas lui. Il peut pas avoir ce niveau là d'un coup, mais lui il est fort, mais... il est pas incroyable, mais il est bon, tu vois. Donc là c'est Renexi du coup. Ouais, là tu vois c'est déjà un peu plus intéressant parce que c'est des vrais clips. Avec ton pote, ouais. Bon, après le niveau est pas incroyable, mais ça fait partie du jeu. Il y a des joueurs plus forts, il y a des joueurs moins forts, mais tu vois c'est pas extrêmement fluide, c'est dommage. En plus le truc mauvais vidéo editor là, il prend de la place, c'est un peu relou. Moi je sais que quand j'avais commencé, je l'avais fait avec Power Director, non Power Editor, bon je sais plus, mais il y avait beaucoup moins ce truc là un peu relou. Ouais, GG. Bah tu vois là en fait le problème c'est que c'est pas assez fluide par rapport à celui d'avant. Même pas, je parle même pas du niveau en fait, je parle juste des kills tu vois. En fait le problème là qu'on a c'est qu'il n'y a pas de transition. Ouais tu vois là encore une fois c'est pas lui tu vois. Mais bref, il n'y a pas de transition, ce qui fait que on a tendance à un petit peu s'ennuyer des fois dans le highlights. Ah ok, donc il dit qu'il n'y a pas que lui, ok. Dans les remerciements, d'accord. Y a pas de problème en soi, mais
Valorant. Ok, un bon petit kill, sympa. Ouais, là, tu vois, c'est déjà un peu plus fluide. C'est pas extrêmement fluide, mais c'est un peu plus fluide. Bon, Call of Duty, je vais pas te mentir, ça fait des années que j'ai pas joué. Mais l'avantage de Call of Duty, ça fait plaisir quand même d'en voir un petit peu. Ouais, il est pas dégueu, hein. La vérité, il est pas dégueu. Ok, il joue CS. Ok, un petit kill au sniper. Un petit peu long, là, tu vois. T'aurais peut-être dû cut un petit peu avant. Parce que ça a pris un petit peu de temps. Ok, le petit kill, il est pas mal. Bon, les kills au sniper, ouais, pas mal. Ok. C'est dommage parce que tu vois, dans tes kills... comment? Sur Call of, tu vas super vite. Je sais même pas si c'est Call of, en fait. Je dis Call of, mais ça se trouve, c'est Battlefield. J'en sais rien, parce que... J'ai pas joué à beaucoup de Call of. Ok. Ok, là, c'était sympa, tu vois. Ouais, il aurait peut-être dû cut encore une fois avant. Et vous voyez, par rapport au premier highlight que je vous ai... Par contre, il est chaud à Fortnite, la vérité, il est chaud, il est super fast. Franchement, c'est beau à regarder. Là, c'était bien. Bref, donc on va passer au prochain, c'est ça. Ah, il y a un petit écran noir, c'est dommage. Ah non, 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 ok, il y a juste... il y a eu un petit bug, bon, c'est dommage. Du coup, je disais, par rapport au premier, vous voyez, les gars, le premier highlight, c'est ce qu'on a regardé. Tu compares à celui-là, tu vois, c'est pas catastrophique celui-là. On va pas se mentir, il est bien le highlight. Mais il est moins fluide et tu le ressens, tu vois. Je sais pas si t'es vraiment moins fort que lui d'ailleurs, parce que t'es vraiment chaud pour le coup, que le premier. Mais dans le comment dire, dans le gameplay, c'est peut-être un petit peu moins rapide. Ah, dommage, la petite erreur avec avoir, c'est dommage. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Abonnez-vous. Ouais, donc les gars, je vous mettrai le lien. Il y a des petits bruits derrière. C'est chez moi, faites pas attention. Alors, on passe au prochain, c'est Swagzy qui nous fait un highlight sur Rocket League, donc ça va être sympa. Alors, il n'y a pas eu de Rocket League. Ok, on est sur un gars qui maîtrise plutôt bien le freestyle. Ok, GG le reset, pas mal ce petit but, il est pas dégueu. Ouais, là t'aurais peut-être du cut avant, encore une fois, tu vois. Qu'est-ce qu'il va nous faire ensuite? Ok, bah là il y avait rien, mais c'est pas grave, là c'est en... Ouais, c'est un free play, après le free play. Ce Rocket, on connaît. Hein. Ouais. Alors, en termes de niveau, le problème de Rocket League, c'est qu'on peut pas vraiment voir le niveau sans un highlight. Oh, pas mal. Ah, franchement, il est beau ce but. GG, le gros teamplay, rien. Il est pas mal, franchement, il est pas mal. GG. Je sais pas ton rank du coup, mais bah, si tu fais du freestyle en soi, le rank, ça veut rien dire. Ouais. Là. Bon, après, je peux pas forcément toujours juger le niveau, tu vois. Faut que je prenne par rapport au niveau. Ok, le petit pinch, c'est pas mal. Ouais, là, 164, ok, passe bien. Il nous fait un petit turtle. Je connais un petit peu les termes du freestyle sur Rocket League, donc ça va. Un petit turtle avec un musty. Un petit peu loupé le musty, mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal ce petit but. GG. Mais encore une fois, tu vois, c'est dommage parce que t'as cut un petit peu trop tard et t'as pas forcément mis de transition. Encore une fois, les gars, je vous ramène au premier highlight, ce qu'on a vu. Il y avait de la transition, même si les changements de couleur, j'ai dit que j'étais pas fan. Tu vois, ça ramène un petit peu de la vie, en fait, au highlight. Et c'est ça le problème, là, c'est que, tu vois, c'est bien, il y a des beaux petits trucs. Mais c'est pas cut, peut-être au bon moment, et il n'y a pas une assez bonne transition. Ok, donc là, c'est un entraînement. Je pense que t'es un gars qui fait plutôt du freestyle, je sais pas. Je sais que t'as mis une autre vidéo, mais je suis pas allé voir. Je pense que t'es plutôt un freestyler, ouais. Un freestyler à Bailo, je dirais. Après, je sais pas, honnêtement. T'es pas le meilleur des freestylers, mais t'es pas dégueu, quoi. Genre, t'es moyen. Ouais. Ouais, un petit peu. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, ça a bugué un petit peu. Ouais. Le reset. Je sais pas du tout quel rang t'es du coup, mais c'est pas grave. Ah, le petit pogo, ça fait plaisir. Ouais. Bon, en termes de niveau, t'es un débutant freestyle, je dirais, moi. Honnêtement. Parce que t'as pas un niveau exceptionnel, t'es pas nul. Tu vois, ça se voit que t'as travaillé déjà. Mais on voit que tu maîtrises pas vraiment parfaitement ta voiture. Ça se remarque, hein, je trouve, moi. Mais t'as déjà un bon niveau, voilà. Mais ça se voit que t'es pas à fond en maîtrise. Ouais, y a des... ouais, celui-là il est beau. En fait, j'ai l'impression que t'es plus fort en teamplay aérien. Bon, du coup, on passe à Mirror. Évidemment, j'ai mal mis son nom, donc je vois mal. Mirror, c'est du Fortnite, c'est à la manette.
stylized. Je le dis trop mal, c'est horrible. Bref. Mais ouais, c'est fluide. Ok. Par contre, un bon niveau pour le coup. Un bon niveau. T'es sur quoi? PC, je pense. Ouais, t'es sur PC. Ok. Oh ouais, là, GG, petit contrôle. On a un gars avec un très bon niveau. Là, pour moi, alors je vais pas faire des classements ou quoi, mais je pense que t'étais le deuxième, hein, meilleur en termes de montage. On passe à Réanium, une personne qui a fait des miniatures sur ma chaîne, qui nous met son highlight. Alors, il joue clavier souris, il joue sur PC. C'est pas un niveau incroyable, je crois, Réa. Ouais, voilà, vous voyez, 2000 points d'arrêt. Pardon, c'est pas un niveau exceptionnel, mais on va voir par rapport au montage. Pour le moment, il cut pour le moment, donc ça va, c'est cool. Ah, tu vois, là, dommage, il y a des fails. Trop tôt. Ouais, t'as lancé trop tôt, clairement. T'aurais dû attendre un petit peu avant. T'aurais dû cut, en fait, au début de ton truc, tu vois. Là, c'est mieux, parce que c'est plus rapide. Voilà, même si c'est pas des clips de ouf. Bah, tu vois, là, c'est plus rapide, c'est plus fluide, c'est sympa. Là, encore une fois, c'est bien cut, pour le coup. Comment dire, on s'ennuie pas. Même si c'est pas un niveau exceptionnel, on s'ennuie pas, tu vois, c'est fluide. Mais, encore une fois, je vous ramène au premier. Le premier highlight, c'est qu'on a vu, il y avait des effets de couleur. En fait, le premier était vraiment très bon, ce qui fait que les autres sont peut-être en dessous, même s'ils sont pas, ils sont pas nuls, tu vois. On s'ennuie pas, mais ils pourraient être mieux, tu vois, ils pourraient être améliorés avec des petits effets de couleur, des petits trucs, etc. Alors, je suis pas quelqu'un qui fait des highlights, voilà, vous le savez. Je suis quelqu'un qui regarde pas mal. Et honnêtement, du coup, je vois à peu près ce qui fonctionne bien, tu vois. Moi, je reste un spectateur, tu vois. Donc, je me dis, ok, je suis spectateur, je m'ennuie pas, mais ça peut être mieux, d'accord? C'est pas nul, mais ça peut être mieux. Alors là, pourquoi on voit rien? J'ai pas capté.
je vais le regarder en entier sans me dire à un moment, ah tiens, là il y a un problème. Parce que là, je le sais, tu vois, c'est ça a été bien fait. Ok. Tu vois, même là, les moments où tu tues un streamer, par exemple, bah des fois c'est un petit peu long. Là, non, ça a été rapide, ça a été bien fait. Ouais, en plus il est super chaud. Hein. Vraiment, il est super chaud. J'ai pas vu le nombre de points en arène. Bon, ça veut rien dire le nombre de points. Ah oui, mais il a beaucoup de points, ok. C'est pas lui qui a 30 000 points, je sais plus. Ça se trouve, je me suis gouré, mais bon, bref. En tout cas, gros, gros niveau. Bah, bravo à toi, parce que là, franchement, c'était super fort. On passe à Skepax, qui nous envoie une petite vidéo Skepax. Joueur manette, console, je sais pas. Peut-être PC. Ok, donc là, on est sur un niveau qui est en dessous, clairement. On va pas se mentir. On n'est pas sur un mec nul, nul. Ouais, ça se voit, il maîtrise plutôt bien. Ouais, c'était pas mal, là, franchement. C'est marrant parce qu'au début, on aurait pu dire, ouais, dans les mouvements, il a pas l'air très bon. Mais ça va, en fait, il s'en sort bien, je trouve, bon niveau. On va voir ce qu'il va faire là, mais ça a l'air. Ouais, t'aurais peut-être pu cut un petit peu avant, tu vois. Mais c'est pas mal. Ok, ouais. Pour l'instant, c'est pas mal. Là, il aurait pu cut, je pense. Bon, il n'y a pas d'effet de couleur, ça. Je pense que t'es un joueur PS4 parce que dans les mouvements, ça se voit un petit peu, j'ai l'impression. Mais en soi, les clips sont bons. Il y a quand même un niveau plutôt bon. C'est pas un niveau incroyable, mais c'est un niveau plutôt bon. Ah, là, t'aurais dû cut, là, pour moi. Tu vois, là, t'aurais dû cut et arriver ensuite, relancer un petit peu ton highlights, enfin, ton. Comment dire? Ton rec. Tu as coupé ton rec, le remettre, et ça aurait été mieux. On passe à Ilo, YouTube, Ilo FTN. Bah lui, je le suis depuis super longtemps, c'est un abonné, mais je le suis depuis super longtemps, je connais son niveau, c'est un joueur PS4, clavier souris, et il est trop fort, la vérité, il est vraiment trop fort. C'est assez impressionnant. Alors lui, ses highlights sont bien, je sais pas si c'est lui qui les fait, mais en fait son gameplay est tellement bon que ça se regarde très vite. Généralement, c'était highlights de 1 minute et quelques, moins de 2 minutes. Du coup, tu le regardes et c'est trop bien en vrai. Regardez les gars, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est dommage qu'il soit sur PS4 parce que s'il était sur PC, lui pour le coup, vraiment, waouh. Et en piste contrôle, il est super chaud. Franchement, du coup, j'ai déjà joué avec lui. Et c'est incroyable son piste contrôle, comment il est chaud quoi. Non, vraiment, il est super fort. De toute façon, vous le voyez les gars, hein. Il joue PS4 avec. Un clavier souris et t'as l'impression que le mec est sur PC quoi. Franchement, c'est. Même pour un joueur PC, il serait fort en fait. Tu vois ce que je veux dire? S'il était joueur PC, il serait fort avec ce niveau-là. Et non, le mec est sur PS4, tu vois. Donc c'est vraiment impressionnant. Waouh. Là, c'est le dernier clip. Attends, mais là, il est en train de le détruire en deux, là. Attends. Il a rien loupé. Ah, dommage. Bon, bah voilà, c'est la fin, les gars, de la vidéo. Merci à tous pour le soutien, vous voyez. Puis bah merci à ceux qui ont participé, il y aura une deuxième partie, hein, vous inquiétez pas. Salut à tous les collègues, les collègues, les collègues, les collègues.